ce matin, la maîtresse nous a dit. Si je vous dis O, à quoi pensez-vous? J'ai pensé à mon petit frère qui apprend l'alphabet. Oh, il a un petit ventre tout rond. J'ai pensé à mes 224 os. Mais elle a coupé court à mes pensées car elle a précisé. Je précise, O, E, A, U. J'ai pensé à mes dernières vacances. J'ai pensé à la petite sirène, Nemo, Flipper le dauphin, le Titanic, et oui, il a pris l'eau. Puis après, elle a enchaîné. Sachez qu'il y a l'eau visible et l'eau invisible. Mes copains ont été surpris. S'il y a un homme invisible, pourquoi pas une eau invisible? En gros, l'eau sert à fabriquer des produits que nous allons manger ou porter. Par exemple, pour 1 kg de pommes de terre, il faut 590 litres d'eau, soit 2 bains d'eau. Un chandail de coton consomme 2700 litres d'eau. Bref, plus tu portes longtemps ton t-shirt et plus tu économises de l'eau. Bon, il y a des limites. Ensuite, elle a demandé de réfléchir aux actions faites pour l'eau. J'ai pensé à ma sœur. Ferme le robinet ou je vais pas te louper. J'ai pensé à mon frère. Coupe l'eau ou je te mets un pruneau. J'ai pensé à mon cousin, il est un peu latin. Coupe l'eau ou je te mets un râteau. Tout à coup, les filles se sont énervées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour économiser de l'eau? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on trouve quelqu'un qui se préoccupe de ce problème en concret. Le plus facile, ce serait de chercher des idées dans la maison pour en économiser. Maîtresse, tu sais que l'eau des toilettes était potable? Alors j'ai comparé l'utilisation de l'eau potable en Afrique et de l'eau potable en France. Eau potable, eau potable. Bref, j'ai pris mon vélo rapido et je suis allé chercher Pierre, un des seuls qui avait compris la question. Et je l'ai ramené. Donc, bonjour, je m'appelle Pierre Carin et je viens vous présenter un système que j'ai mis au point pour récupérer l'eau de pluie afin de faire marcher les toilettes à la maison. Il nous a appris que l'eau du ciel est récupérée par le toit. Et Pierre a ajouté. J'ai fait un trou dans la gouttière, donc l'eau qui coule de la pluie passe par le trou. J'ai mis un bout de plastique comme ça, et un départ de tuyau. Donc quand il pleut, l'eau passe par là et passe par là. Il nous a appris qu'il faut trouer le mur pour amener le tuyau dans les toilettes. Puis je me suis demandé. Mais comment on fait lorsqu'il n'y a plus d'eau de pluie? J'ai aux trois quarts fermé ce robinet-là. Si bien que quand il y a de l'eau de pluie, ça coule très fort par là. On a réfléchi comment on pouvait présenter tout ça, de manière à ce que tous les gens comprennent qu'il fallait utiliser l'eau de pluie pour aller faire pipi. J'ai pensé au porte-voix. On te dit d'utiliser l'eau de pluie. Au manif. Prends l'eau de pluie, une casquille. Prends l'eau de pluie, pluie. Au tract. On a fait ce film pour envoyer ce message. C'est ça, être water responsable. Water, c'est cabinet? Mais non, water, en anglais ça veut dire eau. Bref, on a fait ce film pour qu'on comprenne que l'eau faut la préserver.